Hop, hop. Donc là, normalement, tout est bon. On revient dans le jeu. Donc, si j'appuie sur censure, je censure Baldur's Gate. Si je réappuie sur la version non censurée, ça décensure. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est très très beau. Donc, on va continuer Baldur's Gate très rapidement. Vous avez compris que. Je sais plus où on est d'ailleurs. Je sais plus où on est. Où est-ce qu'on est actuellement? La map. Carte du monde. On est toujours à Château Sud. Donc, du coup. Une Là, on tâche va se faire facile. attraper. Une tâche facile. Ah non, mais on est déjà sorti. Ok. Alors, c'est pas d'emote, c'est surtout. Ouais, c'est. Ah oui, on s'est enfui par de la prison. C'est On fait. nous a permis de sortir. Mais on a été sympa. Hein. On dort pas. On a toujours pas de chaussures. Tout va bien dans ce monde de Baldur's Gate, you know. Regardez, on n'arrive même pas à rentrer dans une porte à 8. C'est fait. Donc, est-ce qu'on peut dormir ici? Oui. On peut dormir dans les catacombes. Ça, c'est toujours intéressant. Alors, je ne sais pas. Voilà. Je vais essayer de gérer la caméra. Il y a 2-3 trucs que je ne sais pas sur ce fonctionnement. Sur les émoticônes, c'est que normalement, les caractères sont toujours les mêmes, vu que c'est des Bonjour, ma Unicode. compagnie. Mais apparemment, quand tu fais copier-coller ailleurs, bah, ça transforme. Donc, je sais pas pourquoi. Mon livre, tu as volé mon livre. Ah bon? Votre. I will show you justice. Doppelganger. Mais ça, c'est la. Attends, c'est qui était les Doppelganger? Je sais plus moi. Ah oui, on avait les poches pleines, j'avais oublié. On avait les poches pleines, mince. Comment on va faire pour récupérer ne serait-ce qu'une petite pierre par terre? Ah voilà. Jaira a level up, indeed. On va aller voir Jaira. Hop. Hop. Grâce à cette sortie de prison, bien sûr. Et de sauvegarde contre les souffres réduits. Ok. Oui, alors du coup, on a un Oui, peu c'est fait. kill, je vous rappelle, l'ensemble de. Oh, je sais plus qui on a tué. Oh là là. Je sais qu'on a tué. C'est où? Voilà, ça y est, on joue à Oumurangi 3 secondes et ça y est, on a oublié tous les bouts, toutes les strates. C'est où? C'est là-haut? C'est où le journal déjà? Là, hein? Sort profane, non? C'est où? Les quêtes. C'est où les quêtes? C'est là? Événement important. Tétoril m'a libéré de ma prison, sachant que je ne suis pas coupable, il m'a envoyé en direction de catacombes de Château Suisse. Je dois ensuite partir pour la porte de Galdur, ouais. Pour arrêter Saverok ou Coveras. Donc il faudra apparemment choisir. Est-ce qu'on a envie de choisir? Pas trop. Voilà. Et ensuite, je vais essayer en passant de faire la photo pour voir si on voit quelque chose, mais je ne crois pas. Vérifions. Non, toujours pas. Je ne sais pas pourquoi. Il veut pas transformer mon truc. 1 minute 30 de vidéo tampon. Aïe aïe aïe. Un joli fond noir nonobstant. Ouais, mais c'est vrai, mais bon, ça. Du coup, il y a un truc, je pense que c'est entre le lien de. Faut que je regarde. C'est entre le lien que j'envoie et. En fait, j'envoie. En fait, faut que ça réécrive une image. Un piège, on va charger, hein. On n'en est plus beaucoup à là, hein. C'est fait. Vu que le jeu est contre C'est nous. fait. Oui, voilà, donc du coup, on a tué un paquet de gens, mais on avait raison. Et Bonjour, la compagnie. Bon, voilà quoi. Donc là, l'idée, c'est qu'on essaye de passer à autre chose. Et faire comme si on n'avait pas vu que le jeu nous en voulait. C'est qui avait de la place? C'était toi, je crois. Il y a tellement d'endroits où j'aimerais être. Puis-je vous aider? Nonante.
comprends pas. Et c'était Khalid qui avait de la place, ok. Pardon de tout le monde, hein, s'il vous plaît. Ce soir, vous fermez les yeux. Ah. Et Château Suif se ferait un chemin à travers vos rêves. Une fois de plus, un souvenir vous ramène à la petite enfance. Gorion vous traîne à travers les portes de la citadelle. Quand j'étais un bébé. Bien qu'il soit extrêmement âgé, vous devez courir pour le suivre. Une réunion importante avec Ulrond, le gardien des livres, l'attend. Une réunion importante à votre propos. C'est étrange. Vous n'en avez pas le souvenir. Tandis que vous vous tenez là, aux portes de l'enceinte intérieure du château, vous entendez des cris à l'intérieur. Gorion parle étonnamment fort, et il a l'air très énervé. Vous vous demandez pourquoi il se met dans un tel état, vraiment. Personne ne semble vouloir que vous restiez tous les deux. Alors que vous vous amusez à sauter sur les pierres des fontaines de la cour, un reflet vient de distraire notre attention de la dispute. Un grand corbeau s'est posé en haut d'un mur de pierre et vous regarde fixement de ses énormes yeux noirs. Vous le regardez également, à travers le miroir de l'eau, et êtes soudain effrayé à l'idée de rencontrer ce regard autrement. Il a des griffes à la place des pattes, pensez-vous en vous-même des petites griffes squelettiques. Les portes du château s'ouvrent et soudain, Ulrond court à l'extérieur. Il vous regarde un moment, mais détourne son regard en se mettant à parler. Vous pouvez rester tous les deux, mais écoutez bien ceci. Cet enfant scellera votre mort. Un nouveau souvenir, et Gorion avance vers l'extérieur du château tel qu'il est aujourd'hui. Mort. Votre regard se concentre de nouveau sur l'eau pour ne pas le voir. Le corbeau n'est plus là, mais votre image ne bouge pas. Vos yeux sont noirs comme ceux d'un oiseau. Tel père, tel fils, dit le reflet. Vous vous réveillez en criant, incapable de trouver le repos. Mais on a bien dormi. Et ça, c'est bien. Voilà. Donc, Gorion, merci. C'était cool de cette vision de l'apocalypse. Bon, on va aller en bas. Hein. Ah non, mais on avait dit qu'il y avait un piège. Attendez. Jaira a monté de niveau, nous avait dit Raving Bell. Niveau supérieur. Terminé. Voilà, merci. Dodo, sauvegarde. Maintenant, nous avons besoin de détection de pièges. Bah non, on peut arrêter de détecter les... J'en ai assez. On va attendre jusqu'à ce qu'elle trouve. J'ai l'impression qu'elle va trouver pas. Elle va pas trouver. Elle va pas trouver. On a besoin de quelqu'un d'autre. En renfort, vite. Par ici. Elle va pas trouver le piège, on va se faire avoir. On va se faire avoir. Bon, c'est pas grave, hein. On va faire moi, comme si on... Moi, je m'en vais. Voilà. C'est gratuit. On c'est peut fait. Continuer. Pas en bas, on a dit. Bonjour. Ah, j'aime pas cette attaque là de rebondissement des éclairs. Hein. Aha! Nous allons ouvrir ceci. Et vous allez rire, je crois qu'on n'a pas de... On n'a pas de place dans nos... Ils nous ont pas laissé vider nos trucs dans les... Il n'y avait pas de marchand jusqu'à... Depuis... De toute façon, on peut pas l'ouvrir. Oui, bien sûr. On va dire que c'était comme si on l'avait fait. Hein. Le Discord... je savais pas qu'il y avait un My Little Pony qui s'appelait Discord. Je croyais que c'était un des chevaux de l'apocalypse. Et il n'y a que des pièges, on va... Regardez, on pose même pas un pied, on meurt. De toute façon, on ouvre des trucs. Désolé, hein, mais on va ouvrir des trucs. Voilà.
qu'on peut même pas ouvrir en plus. C'est infâme. À quoi ça sert d'avoir autant de niveaux? C'est fait. Et en plus, on s'est poignardé même en sortant, mais c'est n'importe quoi. Hein. Le jeu nous en veut totalement. On n'aurait pas dû tuer des gens. Hein. Je pense que c'est tout ça parce que l'écureuil est mort face au loup. On va faire dodo. Je le pensais. Allez, allez. Pourquoi? Impossible de survivre. Mais pourquoi tu continues? Ah oui, parce que c'est... ils sont... un antagoniste dans une des saisons de My Little Pony Friendship is Magic. J'aime pas utiliser méchant dans le contexte de ce dessin animé parce que tous les antagonistes ont un arc de rédemption. Oh, d'accord. Une plaie béante sur Mer Terre. Après, c'est comme d'hab. Hein, bien si j'en avais les moyens. On n'a pas le contrôle de tous les... Qui est en valise, là? C'est Khalid. Mais du coup, il a quoi? Il a pas l'air de vouloir se déplacer... Ouh là 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 là, il va mourir. Adieu, hein. Il va déclencher tous les pièges. C'est bon? Avez-vous besoin? Je peux toujours essayer. Les Suisses et les Vosgiens, nonante veut dire 90. Donc nonobstant doit être une mauvaise prononciation de 90%. Discord est le dieu du chaos. Ok. Ok. Oui, bien sûr. Je crois qu'on va dormir dans les catacombes pendant un moment. Excuse-moi, je la lis à la latine. J'ai appris le... Je sais pas si c'est le bon moment, Dorn. Là, je t'avoue, est-ce que c'est le bon moment? Je ne sais pas. Oui, votre histoire m'intrigue, bien sûr. Ok. I could have cut down any one of them, but together they overcame me with spells and the strength of numbers. They left me unconscious among the dead. They left me unconscious among the dead. Alors c'est bien la voix, mais pourquoi c'est Dorn qui n'est pas traduit? Je ne sais pas. La caméra elle veut pas. Je suis trop grand. Tu prends la tête. Regardez-moi ça. On peut même pas avoir genre 5 cm au-dessus. Il a c'est bon. Ok. While I was awaiting execution in a Luskan dungeon, I came to understand Simeon's plan. If the local lords believed they had captured the leader of our group, okay. Simeon left me behind to wear. Pour porter seul le chapeau pour la boucherie de Barou, ma véritable haine est née ce jour-là. J'ai juré de me venger d'eux tous. Pendant un mois, j'ai pourri dans cette obscurité, mes oreilles étaient remplies du pépiment des rats et des malédictions que les gardes me jetaient, et leur haine ne faisait qu'alimenter la mienne. Comment vous êtes-vous échappé de prison? Commencez à être énervé, je pense qu'il faut aller faire sa quête, faut qu'on sorte absolument des catas. Something outside this world felt it. A cruel and powerful entity answered my desire for revenge. This outsider offered me a pact. In exchange for the power to break loose of my bonds and wreak vengeance on my betrayers, I would become his champion in the mortal realm. The souls of those I slay feed his hunger. Alors, je vous montre un truc parce que j'en ai parlé sur Discord avec Clem Lelu. On pile de jeux en rare.
qui avait été confisqué, j'ai enlevé là, juste pendant que Dorn nous expliquait. J'ai enlevé le nom parce que c'était confisqué de, je pense. Qui date de 2004-2002, je crois. Les tourmenteurs. Foresees great things for us if we continue to fight side by side. Voilà, je n'aimerais pas le voir en colère, c'est le début de la... faut y aller. Faut y aller. Oui, bien sûr. Il est en train de dire je commence à en avoir marre de me balader dans les catacombes, je comprends tout à fait. Surtout si on se prend des D'ailleurs, vous qui avez regardé My Little Pony, parce que moi j'ai pas regardé, hein. Pas de problème à utiliser comme acronyme MLP, qui est aussi une candidate fasciste. Je dis ça comme ça, hein. Bon, de toute façon, on va tous les prendre, les pièges, donc je vois pas l'intérêt, en fait, d'essayer de faire quoi que ce soit, parce que de toute façon, on les trouve pas. Vous êtes une bien étrange personne. Mais pareil, ouvrir les choses, ça sert à quoi? Regardez-moi ça, le crochetage est magnifique. Du West Style Story. Du West... C'est fait. Style Story ou West Side Story, le film de comédie musicale portoricain contre italien et donc du coup américain. On a un petit décalage je pense entre nous, mais du coup oui MLP c'est MLP c'est ouvrir. Voilà, bah, voilà, c'est ce que je disais. Ah, vous n'avez rien vu. Une tâche facile. MLP, c'est quand même une candidate présidentielle, hein, slash chef de parti, élue européenne, parce que apparemment. Tout le monde a oublié ce qu'était ce parti et apparemment on est censé le rappeler, donc je sais pas. Ce qu'est ce parti, j'ai dit ce qu'était peut-être, je sais plus. Bref, vous avez compris. On parle de la... Moi, je m'en vais. De la flamme. À moins que vous êtes totalement en dehors de ce que j'ai compris du chat. Vous discutez uniquement de votre embrouille de My Little Pony. Ce qui est possible aussi. Bon, on va mourir c'est de l'autre côté. Hein. Apparemment, faut aller là-bas. On va quand même essayer de faire la détection des pièges, mais je pense qu'on va mourir. Je m'en vais. C'est là que ça se passe. Il y a un truc ici. Mais si on envoie... je marche sur le vent, là. Notre cher... Razad, voilà. Ah, je cherchais son nom. Est-ce que ça marche? Mais oui. Je marche sur le vent. Je me déplace. Ah. Ah bah oui, bien sûr. Une araignée éclipsante, quoi de mieux? Quoi de mieux? Quoi de pire? Une tâche facile. Oh là là, on va quand même se prendre. Plus touché que je ne le pensais. Vous êtes tous en train de die. Si vous êtes plus touché que vous ne le pensez, vous êtes en train de mourir.
Ah, vous parlez de votre soirée regardage de films. Donc, on est d'accord que c'est l'araignée qui a déclenché ça. Uniquement parce qu'ils sont pas partis du bon côté. Bon, on va envoyer Razad et puis voilà quoi. Du coup, attendez, parce que il y a l'araignée éclipsante qui va me faire chier. Ah bah, elle s'est éclipsée là-bas. Bah tiens. Kiff, hein. Mais non! Mais non! C'est quoi ces catacombes? Qui fait des catacombes comme ça? Bon, hop. Oui, bien sûr. Mettez-vous là, s'il vous plaît. Moi, quand je tape MLP dans un moteur, il n'y a que des poneys. Donc, Marion, trou de bas. Ah! 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 Je vais autoriser. Voilà, clame-le-lui, attention, hein. Je te rappelle que Twitch, la modo, est compliquée, hein. Alors, c'était pas forcément Marion que je parlais. Mais on peut dire toute la famille, hein, je pense. Allez, allez, allez. Oh, il y en a trois. Oh mon dieu. Je suis dead. Mais qui fait ça? Qui se dit, bon, moi j'ai acheté des catacombes avec ma maison. Je vais bien sûr, vu que je suis un grand architecte, grand architecte qui justement aime beaucoup travailler sur tout ce qui est. Mais il a jamais déclenché. Pourquoi il la déclenche maintenant? On va pas aller de ce côté-là, je crois. Je crois qu'ils nous interdisent d'aller là-bas. Hein. Oui, qui adore travailler sur les combles. Enfin là, c'est même pas les combles, là c'est du coup les catacombes. Donc j'adore travailler sur les sous-sols. Donc je vais faire une entrée secrète bien sûr. Et ensuite je vais travailler sur un nord-sud-est-ouest là. Vous allez pas comprendre. Donc du coup bien sûr c'est aussi la personne qui a travaillé sur l'ensemble des lectures adolescentes, c'est-à-dire des catacombes très piégées, bien entendu. Oh, ce truc, c'est un blème. C'est un blème. Ah, il y a plusieurs blèmes. Nous avons plusieurs problèmes. I've got 99 problems. Là, on a les poches pleines. Hein. Ça pue la mort, j'ai l'impression. Ah oui. Ça pue la mort. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Ah oui, carrément, c'est tellement un charnier qu'il fait le tour. Bon. Oh. Je ferai de mon mieux. Bah pour ramasser des... Oh, on a plus de place. Ça y est, c'est fini. We've got no more pocket to put the ring in it. Pour le groupe. C'est la dernière. Et après, on va jeter les sorts. Parce qu'on s'en fiche des sorts. On est la team sans sorts. C'est fait. Mais en vrai, je crois que la sortie était à l'entrée. Hein. Donc au final, peut-être qu'on peut ne pas faire ça. Hein. Bonjour. Coupera un morceau. Je ne fais que passer. On essaie juste de voir si vous avez des choses. Oui, donc du coup, ouais, quand on a un principe de travail qui est justement de nettoyer, de faire en sorte que chaque endroit acheté de ce château est forcément à mettre en lien avec. Oh là là. Ma lame vous coupera en morceaux. Avec en lien architectural les uns avec les autres. Ma lame vous coupera. Ça peut être compréhensible, hein, mais tous les pièges ne sont pas visibles dans une bibliothèque. Logiquement, une bibliothèque n'a pas besoin d'être piégée. Logiquement. Après, peut-être que...
Peut-être que de cacher des créatures dans ta bibliothèque, c'est oui, bien sûr. Un moyen de... Oh, il y en a pas. Ouh là 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 là. C'est Razad qui a lancé son Kamehameha ? Ouais, je vois ça. Save un peu plus, non. Non, non, mais moi j'ai oublié hein, de jouer comment on joue. Hein. Ma lame vous coupera ouais. Un morceau. Une tâche bien entendu, facile. On va aller voir, parce qu'on est ce genre de charogne. On va voir s'il y a des chaussures. Je vais pas finir cette phrase parce que c'est très triste ce que je vais dire. J'ai beaucoup de choses à récupérer et pas assez de place. Donc on va jeter tous les sorts. Il faudrait qu'on trouve un jour un truc qui s'appelle un marchand. J'en ai assez. Et maintenant, c'est fait. Il n'y a toujours pas de chaussures, d'ailleurs. Vous êtes une bien... Par ici ! Même pas tout prendre. C'est nul. Be direct. Deux. Oh là 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 là. On n'a rien de place, là. C'est n'importe quoi. S'il n'y a pas le choix. Moi, je m'en vais. Je ferai de mon mieux. Non ? Non ? T'avais pas... C'est pas toi qui avais de la place ? C'est Razad. S'il n'y a pas le choix. Silune guides my hand. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui reste de la place ? Ah bah un sort qu'on n'utilisera jamais, c'est lui. J'en ai assez ! I shall commit to the task. Notons cette constance là, quand même. J'ai réussi à faire tout ça. Sans chaussures. Une tâche facile. Et sans ça. À croire que on pourrait faire. Je sais pas si vous connaissez le. Il y avait une émission de télé qui s'appelait Sans chaussettes, sans sac à dos. C'était pas un truc dans style ? Ou c'était des gens qui se baladaient dans la France ? Oui, mais là, il n'y a pas de livre. C'est ça qui est un peu étrange. Ouais, et du coup, là, on pourrait l'appeler sans chaussures, sans sort, notre petite balade. Donc c'était l'histoire de gens qui se baladent dans la France pour faire genre, regardez comment on est accueillant, alors qu'en fait, on sait très bien que c'est pas du tout le cas. C'est juste de ne pas avoir leur tête, déjà, pour bien comprendre ça. Tu veux empoisonner Nessa et dire que j'aurais laissé ce château à des gens comme toi. J'ai empoisonné qui ? C'est qui, Nessa ? Ah, mais du coup, vous êtes tous des doppelgangers ? Et vous m'attendez tous dans les catacombes, incroyable, I'm shocked, le jeu se fout pas du tout de ma tête. C'était un long cri. On a encore de la place. Ah, un sort. Mais je trouve des sorts au fur et à mesure, je comprends pas. Et maintenant, on veut acheter des chaussures, c'est fait. Il faut apparemment être plus blindé que 200 balles. Alors, Nessa, je ne sais plus qui c'est. Salut toi. Salut, et après tu vas venir me tuer ? Alors comme ça on croyait m'avoir. Allez Andouille, qu'on voit qui est le plus fort. Inutile de mais c'est tous des doppelgangers, mais tout le monde a été doppelgangé ? Mais ça c'est une théorie du complot raciste de ouf, non ? Cette histoire de tout le monde a été remplacé comme les reptiliens, non ? C'est pas un truc comme ça ? Pourquoi on a une histoire comme ça, là hein ? C'est pas mal que tu portes des choses que tu peux supporter. Pas par terre. On va prendre ça. Parce que t'as pas de... Voilà. Hop. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des flèches, là ? Donc, non. Peut-être mettre toutes les potions dans les poches. Et lui, il a une place là. Alors, il faut donner ça à quelqu'un. Qui a la place ? Alors, toi, t'as la place ? Ok, donne-lui. Ça.
puis mettre ça dans la poche. Comme ça, on optimise toutes nos poches, parce que là, on peut plus rien porter. Regardons. Ah, mais c'est une... Oh, une potion de soin à 200 bases. 200 balles, pardon. Attendez, faut que je la prenne. Si je prends pas assez de potions de soin, comment je vais faire pour pouvoir... C'est fait. Vu qu'on claque pas nos thunes dans les potions de soin, faut bien les trouver. Hein. Vu que 200 euros, c'est trop cher. Merci. Dans ce monde. Ah ah. Qu'est-ce qu'il y a de... Rien. On va pas pouvoir l'ouvrir. Voilà. Tous ces jets, incroyable. Incroyable. Toujours zéro, hein. Une tâche zéro facile. En crochetage. Oui, tout le monde marche pieds nus, bah, si oui. Tu veux regarder. Ah, j'ai attendez. Besoin d'une bonne vieille bière de chez nous. Partout les deux. C'est le jeune Drépin. Que se passe-t-il, Roland de la Tourbosson nous a demandé de te chercher ici, mais ça me dépasse carrément toutes ces illusions les plus effrayantes. Qui es-tu, Arcanis? Ah! C'est bon, gamin, tu peux avoir confiance en moi et en Deder. Je sais pas à quoi on peut être utile à part nos grands bras, mais en fait, je veux pas vous avoir dans mon groupe. Ah, tu repères les illusions? Bah attends, mais il est passé dessus. Il a réussi à passer? Comment c'est possible? Moi, je m'en vais. Il a réussi à passer sur le... Piège des amorces. Désamorce le piège, s'il te plaît. Désamorcer le piège, c'est pas utiliser le piège. Hein. On fait dodo. Alors, normalement, on est censé se balader avec un magicien, de toute façon, dans les équipes, parce qu'en général, dans Jouer Dragon, c'est un peu ça. Et que c'est un doppelganger. Mais du coup, ils sont partis, là, les gars. On fait dodo et vous partez. Oui, sûr. Bah... Donc, ils avaient pas trop envie de nous aider, hein. T'as chouré l'élixir spécial de Hull, et pour le donner aux vaches, rien que ça, tu vas regretter de m'avoir rencontré, Roland de la Tourbosson. Ah, mais c'est vrai que c'est Hull qui était un doppelganger, du coup tout le monde était doppelganger à Château Suif. Mon dieu, quelle est cette histoire? Est-ce qu'on va continuer à jouer à ce jeu? Grande question. Déjà qu'il nous crache dessus, mais en plus là, il nous fait le rapport du complot, tout le monde est contre si nous. J'en avais les moyens. Vous avez quelque chose en tête? Ah, bonjour. Vous êtes un sort... Vous lancez des sorts, vous. Orphelin insolent, j'ai essayé de vous éduquer, de vous inculquer la sagesse, mais autant de demander de pitié à un zen, vous n'êtes rien, mon enfant, et bientôt vous serez encore moins. Encore un doppelganger. Passons aux choses sérieuses maintenant. En plus, ça vaut clairement pas de l'expérience du loup grand blanc qu'on avait vu là, je sais plus comment il s'appelait là, le loup... Garou? C'était pas un loup garou, c'était un loup... Glacial? Il y avait un truc comme ça. Où tu tuais le loup, il te donnait 2200 d'expérience, là on... Tout le monde est des doppelgangers et c'est 420, c'est gratuit. Ah, il y a beaucoup de cadavres dans ce coin. Ah! Des squelettes! Ça c'est pas très cool. C'est pas très cool. On va essayer de faire la paume de la mort. Attends, il y a un truc que je peux faire. Je crois que j'ai quelqu'un qui est un clair là dans le coin de l'histoire. Père, je crois. Bon. Avez-vous besoin de mes services? Il y a pas un truc où je peux faire genre. Ah si, c'est ça, c'est Dorn. Il a ça là, c'est quoi ça? Repousser les morts vivants. Voilà, vous êtes tous des morts vivants. Allez, on repousse les morts vivants. Ensuite, on fait Razad. Kamehameha dans leur tête. Qui est désamorcé le... Oui, c'est vrai qu'il est désamorcé. C'était ce que j'ai demandé, c'est ce qui s'est passé. Ma lame vous coupera en morceaux. Tant de flèches gratuites, c'est beau hein, quand même.
Parce qu'on veut. Je veux dire, ce qu'on veut, au moins, on est équipé. Ah, bah j'avais plus de flèches pour Roland de la Tour Bresson, alors que c'est notre fléché principal. Incroyable. Alors attendez, parce que. Qui peut porter ça? Voilà. Je vais prendre toutes les flèches. Notez l'emploi de. L'emploi des mots que j'utilise. Flécher à la place de archer, c'est beau quand même. Vraiment des mots. Oui, toi tu es à court aussi dans pas longtemps. Hein. Il faudrait qu'on trouve d'autres squelettes oui, bien au cas sûr. Où. Bon, alors apparemment on est dans une grande dans un grand endroit où on va se taper contre des gens et il y avait les Eder et Dern, je sais plus comment ils s'appellent. Hein, qui aurait pu nous aider, qui a décidé de se barrer pendant qu'on faisait dodo. C'est pour mon confort, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous faire goûter au confort éternel. Vous avez envie de venir mourir. Venez mourir, hein, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? Regardez, il a tué en deux fois, là. Roland de la Tour Bresson, il a tiré une balle dans la tête. Enfin, une flèche dans la tête, et c'est fini. C'est pas très fort, sauf si ça te tue dans le dos, mais c'est pas facile de rendre ça ludique dans un jeu vidéo. Bah disons que... On pourrait... Je dis ça comme ça, hein. C'est pas parce que moi j'ai refusé d'aller... que j'ai continué d'aller dans leur sens de la quête... dans le dernier épisode... Et que... on me dit oui, bon bah voilà, c'est eux qui ont tout foutu en l'air, donc du coup peut-être que faudrait pas qu'ils puissent continuer à foutre en l'air. Que du coup on te donne la possibilité de les tuer. Parce qu'ils sont agressifs. Parce que c'est ça, hein. Si t'arrives et ils disent bon vous allez mourir. Tu dis d'accord. Tu stratégises la possibilité de bien le faire. Tu réussis. Et après, on te met face à tes choix, et tes choix, c'est, bah, au fait, tout le monde est un complot. Tout le jeu que t'as cru comprendre jouer n'est pas le jeu que tu as cru comprendre jouer, à part le consortium des marchands qui, eux, étaient déjà des Doppelganger. Mais à part ça, ouais, t'es pas obligé de faire des Doppel tout le temps, en fait, je pense. Qui est touché? Squelette. You, squelette. Il est mort. Ah, c'est Deder, il est là, hein. Apparemment, il y a Deder quelque part. Ah, il est là. Deder. Mais c'est bien. Ah, mais ton pote, il est mort. D'accord, ok. On va prendre ses affaires, hein. Quelqu'un on a vraiment besoin d'une culotte dorée qu'on porte même pas. Je sais pas, ça fait depuis le début on l'a ça. Bon, ça a l'air très bien tout ça, mais on va pas le prendre. Et maintenant, une tâche facile. En fait, Deder était positionné pour pouvoir attaquer les squelettes, mais on n'en a pas eu besoin. Dormir, c'est tricher. Ah bah voilà, Deder, il est libre. Allez, viens. On va aller là, d'abord. Là, il a l'air d'avoir des blèmes, vu que ça pue le cadavre. Mais en fait, ça fait un moment qu'ils sont morts, du coup. Ils ont tous été doppelgangés il y a longtemps, ouais. Ah, mais il y a du monde. Que faites-vous ici aujourd'hui, merci d'être dans le coin. J'aurais mieux fait d'entrer dans l'armée. T'avais demandé de me chercher des carreaux d'arrêt. J'aurais juste dit de laver mes bottes avec talent. Ah, ok, super. Passons aux choses sérieuses maintenant. Je vais insulter maintenant à tout le temps, toutes les 6 secondes. Sauvegarde, je fais dodo.
Continue. Bon, je pense que c'est par là qu'il faut aller. Ah ! Roland de la Tourbeson, cessez cette folie, mon enfant, je vous en supplie, ces murs sont tâtés du sang des innocents que vous avez tués, et je ne tolérerai pas que cela dure plus longtemps. Pourquoi j'ai pris la voix de... Ken le survivant, là, les méchants dans Ken le survivant. N'approchez pas, restez où vous êtes, celui qui vous accompagne aborde le visage de mon père adoptif si ce dernier est mort. Dévoiliez, vous trouvez la nature de Ballinger, vous n'êtes pas non plus un Elminster que je suis Dritz le Goudreau. Expliquez-vous. Et si je vous vois boucher autre chose que vos lèvres, je vous tuerai ou mourrai en tentant de vous éliminer. Debout, mon enfant. Là, c'était Vegeta. Il est temps d'affronter les terribles épreuves à venir. Alors. On va voir à quel point le jeu a décidé de m'en vouloir. Donc, Gorion, qui n'est pas Gorion, parce qu'on l'a vu mourir, nous dit. Ça va, Roland de la Tourbeson, ça va. Je ne suis pas mort cette nuit-là, ni depuis d'ailleurs. La lame qui m'a transpercé était imbibée de poison magique. Mon âme et mon esprit sont donc restés emprisonnés dans un corps qui avait toute l'apparence de la mort. L'homme que vous avez vu cette nuit-là s'appelle Sarevok. Il se trouve dans le château depuis 3 jours sous le faux nom de Coveras. Tetori le surveillait, mais nous n'avons jamais pensé qu'il pouvait pas être seul. Attention mon enfant, j'ai trop d'affection pour vous pour vous perdre maintenant. Mes hommages, jeune personne. Il va te twist. Nous le suspectons depuis un moment. Elminster et moi, Sarevok hors de sa tanière. Elminster pouvait... Attends, quoi ? Sarevok hors de sa tanière. Elminster pouvait enfin retrouver votre père adoptif et le mettre en sécurité. Pardon, Roland de la Tourbeson... Attendez. Juste, qu'on soit bien clair. Quand on est arrivé à Château Sufi, ils nous ont dit « Ah, ça fait un moment qu'on vous a pas vu, ça fait au moins 2-3 ans. » Donc le gars était dans un coma. Laissé devant les ours et les loups qui traînent juste devant Château Sufi, qui potentiellement nous attaquent dès qu'on sort. Donc ils l'ont laissé là-bas, pendant 2-3 ans, tu vois, histoire qu'ils prennent bien la pluie dans la terre. Les loups et les ours se baladent dessus sans les manger apparemment, parce que apparemment, tu vois, genre, voilà, bref. Le poison magique, peut-être que ça allait repousser les animaux, c'est possible. Mais l'effet du corps humain, potentiellement, puisqu'on sait pas si Gorion est humain, entre l'eau, la terre, je pense qu'il y a un truc qui se passe, mais je suis pas sûr. Peut-être qu'il y a un début de décomposition... Si c'est pas de la décomposition, c'est au moins la peau qui se flétrit. Je sais pas, vous avez traîné dans l'eau, dans une piscine, genre. Il y a des choses qui se passent, quand même. Pardon, Roland de la Tourbeson, j'aurais dû vous le dire plus tôt, mais vous rendre l'espoir pour le voir anéanti aussitôt. Non, le cœur qui se cache là-dedans est trop grand pour voir. Ah, mais j'en peux plus, en fait, je crois. Le jeu m'en veut. Rengainez vos armes et votre colère, mon enfant. Venez avec nous et vous serez enfin en sécurité. Mais quoi ? Le vous, ces murs sont imprégnés de sang d'innocence. Si c'est le cas, ce qui m'a pourchassé dans ces salles tortueuses m'a appelé avec des voix autrefois familières pour m'approcher et attaquer lâchement. C'est vrai ? Oui, Elminster, aidez-moi à quitter cet horrible endroit pour que je puisse passer un moment plus agréable aux côtés de mon père adoptif. Est-ce qu'on va jusqu'au bout du truc ? C'est quoi TGCM ? Parce que c'est pas Tactical Sleep to Heal comme moi je connais. The Game... de l'époque. Oui, bon, après, les trucs de twist, c'est toujours un peu ça, mais... Je pense que je vais être... De toute façon, je n'ai jamais compris cette histoire avec Gorion. Je vais être un peu sur la défensive. Bon sang, hein, la Tourbeson, que vous a-t-on fait pour que votre esprit soit aussi hanté? Mais je vais le flinguer, mais... Pardon. Je vais l'embêter. Votre ancien ami Drépin est enchevêtré dans ses propres entrailles et cette insensée de fille Lydia s'est précipitée ici pour offrir une épaule maternelle et vous l'avez tuée comme le monstre que vous croyez qu'elle était ? Quoi ? Ils m'ont agressé. Tous les gens là que j'ai rencontrés dans ces catacombes... Qu'est-ce qu'il dit ?
Eh bien, imbécile, je suis d'avoir laissé les choses à en arriver là. Me voilà, Mister l'arrogant, je pousse les uns, je persuade les autres, mais n'agis jamais. Le plus puissant mage des royaumes réduit à jouer les marionnettistes. Écoutez bien, Roland, l'introduction, avec le soutien de quelques doppelgangers et d'une puissante magique, ça révoque vous a pris dans une vaste et effroyable illusion. Je n'étais pas sûr de pouvoir le pénétrer pour pas venir jusqu'à vous, mon enfant. L'heure est venue d'avoir foi, mon enfant. Vous devez sortir de cette ignoble illusion et nous laisser vous ramener à la réalité. Il est possible de battre ce ça révoque. Ouais, donc on les laisse vivants. Est-ce que vous avez un choix particulier? Est-ce que je peux faire un... Genre, on peut faire un sondage, là, vite fait, genre. Je vais mettre... Se fout-il de moi? On a un sondage vite fait, là. Je sais que dans Twitch chat, on peut faire ça. Attendez, je vais remettre la musique en attendant. Alors, activité. Faire ça vite fait, genre un shoot-out. Sondage. Tomber sur sondage. Comment on fait pour faire un sondage? Ta gueule, c'est magique. Ah oui, bah de toute façon, ça, c'est toujours le cas, ça, non? Comment on crée les sondages? Je comprends pas. Fonctionnalité de chat? Attendez, je vais faire un slash. On va voir ce que ça donne. Après, c'est possible que je puisse pas le faire en n'étant pas... Demander des suggestions, voilà. Ah, on peut faire ça, c'est intéressant. Bah, je vais faire ça. Dites-moi ce que ça donne. Je sais pas, ils disent qu'on peut faire des suggestions. Il y a 2 minutes de suggestions si vous avez des suggestions. En faisant point d'exclamation SUG. S-U-G-G. Est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on n'accepte pas de jouer le jeu du jeu, en fait, tout simplement. Vous êtes là. Après 2 minutes, est-ce que c'est suffisant pour Clem Lelu? Je ne sais pas. C'est vrai que avec le décalage, il y aura peut-être que 30 secondes. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. En attendant, voici Kira. Vous n'avez pas de possibilité de suggérer des choses en faisant point d'exclamation SUGG et vous mettez vos suggestions. Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'on joue le jeu? C'est pas un sondage. Faut faire Suge. Comme ça, et après tu te dis, je veux pas jouer au jeu. Voilà, et là par exemple, je vois que moi j'ai suggéré, je veux pas jouer au jeu. Sinon, il n'y a que moi, hein. J'ai bien compris. Hein. Fini! Personne n'a suggéré, c'est bien. Ça veut dire qu'on va pas jouer au jeu. Hein. Parce que je crois. En fait, moi, c'est ça que j'aimerais bien savoir, c'est que même si c'est une illusion, là, les histoires de. À chaque fois qu'on dort, on a une vision qui est fausse. Le lit chaud, ouais. Du coup, on est à égalité. Mais du coup, j'ai pas vu. Tu es en dehors des clous, mais c'est pas grave, j'accepte. Bon, c'est fermé, du coup, j'ai fermé le truc.
T'inquiète pas, c'est pas grave. En fait, c'est ça. C'est... Est-ce qu'on accepte que le jeu en arrive à ça? Parce qu'en fait, là, on vient de passer tout un passage où on se moque de nous, en fait. Donc là, si on joue au jeu... on va dans un lit chaud, on boit notre petit lait, on se fait dorloter par Gorion, qui n'est peut-être pas Gorion, par un mec qu'on ne connaît pas, Elminster, là. Et on continue, entre guillemets, la quête d'aller à la porte de Baldur pour aller taper Sarevok ou Koveras. If you need, quoi. Et sinon, bah en fait, le truc, c'est qu'on accepte juste que ce que nous, on a vécu, c'est un truc qui est réel. Et que en vrai, là, les gens, ils arrivent, ils débarquent en mode « Je suis ton père. Et je ne suis pas mort. C'est un poison magique. J'ai été dans le coma pendant 3 ans au sol devant le château Suif. Personne m'a récupéré. Personne m'a volé mes chaussures. » Enfin, c'est un peu étrange, hein. Sinon, il y a glitch lit tout cramé. Je le revais. Bon, en vrai, là, moi, je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Tout cramé. D'accord. J'ai compris. Il n'y a pas tout cramé. Bon, en fait, là, l'idée, c'est soit on continue et on va avec eux. Et donc du coup ils restent en vie. Soit ils restent en vie et ils partent sans moi. Sinon je le refais. Tout cramé. C'est vrai que c'est pas mal aussi. Vas-y. On va pas jouer le jeu. Voilà, et maintenant tu me chips en plus. Si vous avez envie de perdre la tête que Salon tienne, allez-y, déchirez-vous le cerveau de vos propres griffes. Ouais, et voilà. C'était The Doppelganger. A new hit! Voilà, cassez-vous, allez! Tiens, regarde, mage de Doppelganger, voilà, hop, hop, comme ça, c'est fait! On va lui faire quand même un petit caméra dans sa tête, là, à lui. Ah, c'est un grand Doppelganger, attention! Hein. Attention! On peut mettre à l'écart nos fléchés. Ah non, mais ils sont là déjà, c'est bien, très bien, très bien. Passons aux choses sérieuses maintenant. C'est comme si c'était fait. Inutile de résister. Votre heure a sonné. Prima. Ah, il y a un squelette toujours vivant, ça. C'est assez rigolo, ça. Pas obligé de le courser. Ah. Bon, tout le monde est mort. C'était bien. Oui, bien sûr. Ah, encore des squelettes. Mon cœur n'y est pas vraiment. Et du coup, les squelettes, vous spawnez toutes les 6 secondes? Comment ça se passe? Je soupçonne le MJ d'être énervé. Hein. Ou la MJ d'ailleurs. Parce que là, en fait, tout ce qui se passe, c'est vraiment... Mais non, s'il vous plaît. On a failli mourir parce qu'on s'est pris un éclair, là? Mais c'est pas possible. Allez, réunion au milieu, on va faire dodo. Même plus de place là pour récupérer des flèches, on peut plus là. Je sais pas qui a croyance de Gorion est vivant. Franchement, je vois pas.
Que là, le truc Gorion vivant, enfin, faut vraiment pas avoir regardé le jeu. J'allais dire, faut vraiment pas avoir lu l'histoire du jeu. Mais bon. Ah, j'ai l'envie d'interprendre, rien dit. Voulez-vous bien nous laisser seuls ? Vous n'avez rien à faire ici. Et qui ? Tu vises qui ? Ah, le squelette. Oui, bien sûr. Mais on n'est pas obligé, en fait, de les taper, les gens. Vous savez, hein. À vos ordres. Un squelette, une flèche. Oui, c'est ça. C'est ce qui est bien avec Roland de la Tour Bresson. C'est qu'il est bon, il est bon archer. Hein. On va dormir à côté des squelettes pour une histoire bien attendre. Et là, je suis en train de me faire flasher par la lumière. Incroyable. Faut que je corrige la lumière. C'est pas possible. Là, encore un deploiement de lumière. Ça change, hein. Ça change. On peut faire dodo un moment ? Non mais en fait c'est... Alors comment dire, moi je joue un peu comme ça, c'est-à-dire... on peut faire dodo dans cette maison ? Enfin dans les katas ? Bon, ouais, on a assez fait dodo, je pense que c'est bon. Donc du coup oui, comme je disais, bon, il devait avoir des poches pleines le gars, mais c'est pas grave, hein, on va faire comme si on n'avait pas vu. Genre, t'arrives dans les catacombes sont piégées comme pas possible, et là, tout d'un coup, tu te retrouves face à Gorion, mais qui pense... Mon hôtel est aussi propre qu'un derrière d'elfe. Votre race... Voulez-vous bien nous laisser seuls ? Vous n'avez rien à faire. Apparemment, les derrière d'elfe sont propres. Je pense que, même si je jouais pas en fonçant dans le tas et... en étant team, on court vers toi avec avec un marteau dans la main. Je vois pas qui pourrait jouer en se disant là à ce moment-là c'est Gorion. Surtout que là c'est vraiment totalement le rapport. Tout le monde est pas ce qu'ils sont quoi. Donc là j'ai l'impression d'être dans un épisode de V. Vous savez ? Bah, je parle. Qui était déjà limite moi. Après j'ai re-regardé parce que je me suis dit mais attends, c'est quand même, c'est vrai que c'est limite quand même V sur le rap en complot. Et après on en avait discuté chez Ella. Du coup j'ai regardé vite fait. Deuxième fois. Je sais pas. Mon avis, oh, mon cœur n'y est pas vraiment. On la thune, hein, je me marre des pierres précieuses. Même si les pierres précieuses, elles sont. Elles remplissent les poches, c'est bien, mais. Bon, est-ce que la carte de la map, là, on l'a fait tout ? On tout fait ? Oui. Bon, c'est bon, ok, on peut partir. Qui c'est que ça va être ? Oh non ! Des araignées ! C'est fait. Pratt, qui êtes-vous ? J'attends ça à révoque, pas une bande de loqueteux. C'est vrai que nous n'avons pas de chaussures. Nous sommes d'autres membres de la bande de Savrock. Nous avons été envoyés ici pour vous aider. On est honnête. Parce qu'on passe une mauvaise journée, là, je pense. Hein. Je pense qu'on va être honnête. Voilà. Eh bien, viens te battre. Mage. Ah, vous êtes beaucoup. Il faut dire ce qui est. On passe une mauvaise journée. Ah ! Allez, des dead. On va devoir stratégiser notre combat, c'est là. C'est l'heure de la stratégie. Moi, je passe une très très mauvaise journée, donc en vrai... On va dire la vérité.
Ah, ceux qui refont le jeu. Tu penses que c'est plus rejouable de jouer oui, en mode de Gorion Gorion est sympa. Ah ouais. Je pense que je ne jouerai pas. Enfin non. Personnellement, j'ai pas forcément envie de j'avoue de jouer cette game là en fait entre guillemets. C'est-à-dire de dire ouais bah en fait je vais rejouer ce jeu déjà. Très intéressant déjà sur l'histoire je trouve pour l'instant. Il y a des choses hein, tu vois, il y a un twist, tout d'un coup je me suis senti concerné 3 secondes. Ouh, bah, j'ai les mains. Par contre faut survivre un peu Razad là dans l'histoire. Je crois qu'il a décidé de dire non. On va recharger. Je pense qu'on a un problème de stratégie. Une tâche facile. Passer les portes déjà c'est dur. On sauvegarde. Oui, c'est vrai. Potentiellement, si on réussit la stratégie. Mais... Ah, bien sûr, une araignée, bien sûr. Bon, du coup, il nous faut quelqu'un en pointe qui puisse attaquer directement. Donc, on va prendre aussi les archers. Khalid. Vous allez être en pointe. Vous allez être sur le côté. À vos ordres. Oui. Oula. Oui, bien sûr. Et Dorn. Ah oui, c'est vrai qu'il est indétectable à Z. Donc on pourrait essayer de faire ça. C'est-à-dire d'arriver par derrière. Allez hop. Ah mais non, mais si par derrière, le but c'est de se retrouver face à des araignées. Une nouvelle victime? Ça ne s'arrêtera donc jamais? Your wish? Ah, sur de l'autre côté, hein. Apparemment, faut pas aller du côté des araignées. J'étais sûr qu'il y avait des araignées. Bon, on se retrouve ici, hein. Voilà, je pense que là on est bien positionné ici. Donc. Je vais te faire la technique. Oui, bien sûr. Ah donc. Je pense que Khalid et notre cher ami. Vous pouvez aller attaquer directement Pratt. À vos ordres. Razad qui débarque genre juste derrière. Salut les gars! Et hop, bim! Kamehameha dans ta tête à Pratt. Premier Kamehameha. Deuxième Kamehameha. Non. Khalid est mort, super. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai cliqué deux fois. Il a pas voulu faire son Kamehameha à Razad. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, Razad, on va aller de l'autre côté, c'est une bonne idée. Ah! Là, on s'est fait détecter, là. Eh bah, écoutez, vous êtes la seule personne qui nous avait détecté. Nous allons aller ici. On se retrouve, hein. A tout de suite. Non, 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 mais on attend. De toute façon, c'est la seule personne qui nous a détecté, vu qu'il a détecté Razad. On attend juste qu'il monte. Apparemment, il a décidé de pas venir. Bonjour. Ah non, mais bien sûr la pire attaque. La pire attaque. Voilà, comme ça, c'est mieux. Il n'y a que lui qui l'a pris. Donc Pratt va rester au milieu, c'est ça? Il va refaire. Rapide.
Eh vas-y, lance-toi là. Pourquoi il veut pas lancer mon truc là? Je clique hein. Attendez, je relance. Non. Tu veux pas. D'accord. On va essayer à la main alors du coup. Dead. Oui, parce qu'il faut la comptabiliser, parce que là, il y a eu mort de Roland de la Tourbrousson. Est-ce qu'on est d'accord qu'il a traversé le mur, par contre, cette mort? Oh, 15, c'est beaucoup trop. Ah, tu crois qu'il y a un soigneur? Bah, vas-y, on va essayer d'aller voir. Hein. Là, le problème, c'est que j'ai sauvegardé, du coup, après que je l'ai... Enfin, bref. Après que je l'ai déclenché, donc du coup, on va peut-être avoir un problème. Ah! Ben voilà! Venez, mon cher! Non, je suis ici. J'ai décidé d'être là. Voilà, hop! Allez! On les bomboclate. Ah! On a plus de soins? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi y'a plus de soins, ouais? Alors, déco... Horreur. Toucher vampirique, allez sur Pratt. Oui. Oh, va tellement mourir une deuxième fois, là. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Il va refaire son attaque. On a perdu Razad dans cette histoire. D'ailleurs, Razad c'est quand même le meilleur élément. I shall commit to the task. Incantus. Je crois que ça va être compliqué. Oui, bien sûr. Bon allez, on y va. Je m'affaiblis. Voilà. Oh non. Il va me falloir un guérisseur plus vite. Ah mais il marche pas celui-là. Pourquoi? Il veut pas marcher mon bouton. Pourquoi tu marches pas le bouton? Pourquoi tu veux pas marcher? Le bouton a décidé de pas marcher, je sais pas. Il a décidé, il s'est dit, bon, faut que je le fasse du côté midi, je pense que ça va être plus simple pour moi. Je suis deg. Ha! Une nouvelle victime? Pas assez. Ça ne s'arrêtera donc jamais? En fait, j'essaie d'avoir un angle pour qu'il puisse se retirer dessus. Avec son attaque de nul. Une nouvelle victime? Ça ne s'arrêtera donc jamais? Une tâche facile. On va y aller direct, puis voilà. On va voir ce que ça donne. De toute façon, la première personne à se débarrasser, c'est bien lui. Donc, on va y aller. Faire attention au point de vie. Si possible, bloquer les gens. Si possible. Viser fortement oui. Cette personne-là. Faire un petit toucher vampirique dans sa tête aussi. Hop, comme ça, on va peut-être voir ce que ça donne. Mais le nom... Oh, mais cette attaque, c'est tellement point de vie style, quoi. Incroyable. On va jamais y arriver. Attendez, parce que ça va trop vite, le nombre de morts. On a déjà perdu trop de morts. Faut que j'aille chercher StreamerBot et que je le configure sur le pad. Parce que là, c'est pas bon. C'est pas bon.
Hop. Hop. Du coup, c'est quoi, c'est dead. Mais c'est pas 3. Donc. Ça marche. Il y a un petit décalage, je pense, mais. Your wish? Nouvelle technique. Une tâche facile. On s'enfuit. Oui, bien sûr. On revient. Alors, d'abord, oui, on s'enfuit, on fait dodo en haut, on sauvegarde, et on revient. Oui, c'est vrai que c'était jeté au sol, c'est un peu nimp. Oui, c'est vrai. C'est oui, vrai que j'aurais pu m'en sortir plus facilement. Facile. On va aller voir les araignées. Hein. Nous on s'enfuit. Nous. Bonjour les araignées. Mais tout va bien. Une tâche facile. Il a quand même tué qui? Il a quand même tué Imoen gratuitement. Et c'est dur la vie. Hein. Imoen elle s'est pris un coup. Oui, bien sûr. Une tâche facile. Je vois pas trop comment on va s'en sortir. Non non non, évitez d'aller ailleurs. Azad attaque Pratt, quoi? Allez, vite, vite, sérieuse maintenant. Oh là là là, mon dieu. On l'a un contre un. C'est faisable. Faut juste qu'on prenne ses coups tranquillement. Est-ce qu'on a un truc de silence quelque part? Quelque chose qui lui permette de dire en fait, tu vas te calmer tout de suite. Horreur. Vous êtes une bien étrange personne. Y'a pas un truc de silence là, ni vu ni connu? Eh hey, mais attendez, j'ai des potions. Peut-être que j'ai un cocktail Molotov dans la main. Du jaune froid, super. Génie. Défense. Résistance au froid, mais c'est pas ça qui va nous aider. Peut-être de liquide mystérieux. Potion de liberté. Ok. Clarté. Force de géant du froid. Blocage de... Ah! Ça, c'est intéressant. Donc, ok. Bois cette potion. Je veux que tu boives cette potion. Je veux que tu boives cette potion. Boire cette potion. Merci. Potion d'absorption, ça fait quoi ça? Quoi bu a pour effet d'absorber les attaques externes. Boire. Explosion. Elle se brise au moindre impact pour exploser une boule de feu ardente. Voilà, voilà, voilà. Alors, on va pas la boire. C'est exactement ce que je cherchais. Alors, maintenant. Il faut s'enfuir pour que Dorn puisse lancer. Allez, allez. Ok. C'était pas incroyable. Mais c'était bien. Résistance à la magie, je veux bien. Puis-je vous aider ? Blocage de magie, je veux bien. On en a pas besoin pour l'instant. Mais si on peut le faire en sorte qu'il se déplace pas, ça serait pas mal aussi. Voilà. Coup 2. On continue la pressurisation, s'il vous plaît. Il nous faut un peu de vie pour notre cher Dorn. Je crois que j'ai vu quelqu'un qui avait une potion de vie quelque part. Antidote, non. Potion de force, non. Perception, non. Haleine ardente. Ah ah ah. J'avais oublié que je l'avais, ça. Ça, c'est pas mal aussi. Bon, Razad, faut que t'ailles au corps à corps. Hop. Dorn, je t'enfuis. On va voir si on peut survivre avec Razad juste, avec son blocage de magie. Ouais ouais, mais là j'ai perdu trop de vie, donc on va tenter.
On va tenter un peu de vie pour notre dorme, s'il vous plaît. Allez, Razad. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, que tu lui piques sa vie et que toi tu lui fasses un kamehameha dans sa tête. Plus, Khalid va au corps à corps. Et Imoen, tu te mets en retrait juste, s'il te plaît. On l'a fait. Ne te mets pas en retrait. On l'a fait. Non, ne te mets pas devant non plus, voilà. Ne vous mettez pas devant notre... Oh, on l'a réussi. C'est bon. Non. Une tâche facile. Tout s'est bien passé. On a juste perdu 3 vies. On prend ses 170 balles. On lit ce qu'il a écrit. Mes plans ont donné des résultats très satisfaisants. Les mercenaires qui ont entravé chacun de mes pas sont maintenant en prison. Accusés de meurtre de... Voilà. Essayez d'en savoir plus sur leur sort puis rejoignez à la porte de Badur. J'aurais de ne pas avoir être resté avec vous. Mais je devrais... Merci Clamelu d'avoir été avec nous pour ce combat épique qu'on a réussi à dépasser. Alors, j'essaye de faire une bunny pony, une petite commande pendant que je lisais. Tac tac, hop. Si tout se déroule sans incident, je serai grand-duc dans quelques semaines. Eh bien, désolé, grand-duc, tu es décédé. Et voyons voir si tout fonctionne. Ah non. Ah si. Voilà, merci. C'était de ma part. Cadeau. Bon, du coup, Notre lectrice a pas de place, par contre. On a utilisé pas mal toutes nos potions. Voilà, et du coup on a quand même pas de place, c'est assez incroyable ça. Ça grâce à des potions, n'empêche, hein, qu'on a trouvé, qu'on n'a jamais utilisé. Comme quoi. De la place en fait, donne à ça à quelqu'un. Voilà, sauvegardons. Dodo. Je vais vous laisser. Quelques minutes. Regardez-moi ça, l'araignée éclipsante, c'est 1400 d'expérience. Comment c'est possible? Ah, tu veux faire partie et de notre équipe, petite... Non, je te fais charme animal, petite... On va avoir Batman avec nous. Petite chauve-souris. Et voilà, Batman est avec nous. Allez, maintenant tu vas aller voir là-bas. Tu vas faire notre... Ah! Tarn, apparemment, est un mage. Nous avons un deuxième mage. Une tâche facile. Et on va l'attaquer par derrière. Pour ceux qui ont perdu. C'est lui là, Tarn ? Ah. Pour le groupe. Je vais avoir besoin de soins pour m'en sortir. Ugh.
Eh, moyen, hein. C'est juste qu'on a... Tout le monde est un peu KO, mais y a moyen. Ok, c'est fini. Allez, allez, dernier coup, dernier coup. Ah non. Dernier moment. Oui. Ouais, on a fait la stratégie à l'arrache un peu là. On va faire dodo, on devait pas faire dodo à un moment. Si, on doit faire dodo ici là. C'est vrai que je pourrais lui donner une blague, c'est vrai. Une bague. J'en ai marre, elle m'attaque tout le temps. Regardez, ils sont en train d'utiliser tous mes sorts. Mais il est 11h30. Attendez. Mais on peut dormir à un moment? Genre dans cette vie? Aïe. Épée longue, oui. Oui, bien sûr. Il faut qu'à un moment on puisse dormir dans cette dans ce truc-là. Et après, il faut que j'y aille. Mais regardez-moi ça. Je ne peux pas dormir sans me prendre... Non, non. Bon, on va se mettre là. On va sauvegarder ici. On sait qu'on a un combat à faire qui est faisable. On a eu le pire. Et je vais vous envoyer ailleurs, hein, parce que... Je suis désolé, hein, mais là, les araignées, elles veulent pas me laisser faire, quoi. On met la musique. Vous savez où on va? On va là où il y a marqué, c'est la reprise. Parce que il y aura sans doute une annonce, je dois revenir. Va chez l'anti-stream. Voilà, comme ça vous savez où on va. Et du coup je vous laisse. Merci d'avoir été là sur, est-ce que vous voulez vos stats de fin de stream? Résumé du stream. Alors, merci Clem Lulu, tu as participé avec 3250 caractères. Bravo. Bravo à vous d'avoir été là. Non mais t'inquiète, moi aussi j'ai plein de lettres qui manquent. Il reste 40 secondes, je vous laisse là. À plus.